À mon tour, je voudrais saluer l'aboutissement de ce dossier important parce que la collecte et l'utilisation des données passagers vont permettre, en tous les cas on l'espère, d'intensifier la prévention, la détection, les enquêtes, les poursuites contre les infractions transnationales et les menaces terroristes. C'est un outil qui est aujourd'hui plus que jamais nécessaire, mais au vu des menaces croissantes et évidemment pour garantir la sécurité des Européens, mais il ne constitue que l'un des outils dans un arsenal qui doit se renforcer. Pour ma part, j'apporterai mon vote positif à ce texte, mais en même temps parce que je suis convaincue que si les attaques nous ont tous visés, nous les Européens, la riposte doit être européenne et je regrette à cet égard que dans ce texte qui a pourtant occupé tant de temps notre Parlement, nous ne soyons pas allés plus loin dans l'outil de sécurité et de protection de la vie des citoyens que constitue le PNR en rendant obligatoire la transmission pour les États des informations et que nous n'ayons pas réussi à convaincre les États, souvent un peu hypocrites, d'en faire un système fortement centralisé. Merci, Monsieur le Président.